Espoir, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, nous vous recevons une fois de plus dans nos antennes pour analyser cette question d'actualité qui fait polémique au pays. Vous avez suivi le président du Sénat congolais, M. Bati Lukwebo, sa sortie devant les sénateurs face à la question Matata Ponyo que vous connaissez très bien. Vous êtes l'un des Congolais qui s'intéresse de tout ce qui se passe au pays. Personnellement, comment vous avez suivi la sortie du sénateur, du président du Sénat, Bati Lukwebo? En fait, la sortie médiatique de M. Modeste Bati Lukwebo, qui est l'actuel président du Sénat, c'est une sortie, moi je l'ai pris comme c'était une sortie d'actualité. C'était pour mettre les Congolais au clair sur ce qui se passe sur l'affaire Bukangalonzo et d'autres affaires dont le sénateur M. Matata Ponyo est poursuivi. C'est que pour nous, c'était une fois une bonne chose puisque ça nous a alertés et ça nous a mis tous au courant sur ce qui se passe dans ce pays, monsieur le journaliste. Mais qu'est-ce qui se passe entre Matata Ponyo et la justice congolaise? Et tantôt, c'est Matata Ponyo qui semble être victorieux, tantôt c'est la justice congolaise. Il y a quoi concrètement? Qu'est-ce que les Congolais ignorent dans cette affaire? En fait, moi je ne suis pas d'accord avec les gens qui pensent qu'on serait en train d'écarter Matata Ponyo pour les élections 2023. Mais je suis... C'est qui se voit. Alors, c'est pas juste, monsieur les journalistes. Nous sommes dans un pays et nous sommes dans la phase de l'état de droit. C'est que nous voulons que la République démocratique du Congo devienne un état de droit. C'est la justice qui élève une nation. Et nous voulons que toutes ces personnes-là, comme je l'avais encore déclaré, qui sont impliquées dans les détournements de biens publics, qui soient déférées devant la justice. Et c'est l'unique justice qui doit prouver si Matata a volé ou Matata n'a pas volé. C'est qu'il doit cesser de se victimiser, il doit préparer plutôt ses moyens de défense pour se défendre, rien d'autre que ça. Cette même justice, il y a quelques jours, elle a montré qu'elle n'est pas à mesure de poursuivre Matata Ponyo. Pourquoi aujourd'hui ça suscite toujours réaction? La justice ne s'est jamais déclarée qu'elle n'est pas à mesure de poursuivre Matata Ponyo. Là, on parle de la cour d'appel. C'était la cour constitutionnelle qui s'était dit qu'elle n'est pas compétente. En fait, vous savez, le droit, c'est un couteau à double tranchant. Tout simplement, ce n'est pas puisque la cour d'appel a dit qu'elle n'est pas compétente de te poursuivre puisque tu n'es plus premier ministre. Cela ne veut pas dire qu'une juridiction où tu es justiciable maintenant. Matata Ponyo, maintenant là, est justiciable devant la cour de cassation comme sénateur. Puisqu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un selon son ancien statut. Il doit être jugé maintenant selon son nouveau statut. Et nous attendons voir comment est-ce que... puisque jusqu'à maintenant, on doit commencer maintenant la procédure à zéro. Et moi, j'ai suivi le président du Sénat. Le président du Sénat a parlé d'autres affaires. Il n'a même pas parlé des affaires de Bukangalonzo. Le président du Sénat a parlé que Matata, l'argent qu'il a été accusé de détourner, c'est ça les nouveaux affaires. C'est que il semblerait que pour le détournement de Bukangalonzo, on a essayé de clore les débats, mais il y a beaucoup de dossiers quant à l'affaire de la bancarisation, monsieur le journaliste. Et nous attendons voir que les choses soient mises au clair. C'est que comme nous voulons l'état de droit, nous devons être conséquents. Il n'y a jamais eu à la guerre, on ne distribue pas des bonbons, ce sont des cartouches, monsieur le journaliste. Lukwebo semble lâcher Matata Ponyo. C'est l'offre, pourquoi? Parce que on ne sait pas quoi. Il est aujourd'hui côté président du Tshisekedi. Ou bien, qu'est-ce qui se passe réellement? Lukwebo n'a pas intérêt de lâcher Matata ni de soutenir Matata. Ils sont tous collègues sénateurs. Mais vous devez savoir, nous ne sommes pas là. C'est que nos chambres ne doivent pas être des liens de gangsters, que les gangs doivent se mettre ensemble pour s'intersoutenir entre eux. Non, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, nous voulons ce qu'on appelle état de droit et nous devons être conséquents à ce terme. C'est que M. Lukwebo n'est pas là pour soutenir ses collègues voleurs avec qui ils ont volé quand ils étaient chez Kabila. Non. Il est là uniquement pour orienter le débat. Matata, ce qui se passe entre Matata et Lukwebo, Matata cherche à se victimiser, qu'il serait haï par
Monsieur Lukwebo, et Lukwebo cherche aussi à se victimiser que Matata les diabolise dans des réseaux sociaux. Nous autres, ce n'est pas ça le cas. Nous autres, nous voulons voir Matata devant la justice. Si Matata, la justice va laver Matata, d'accord, c'est l'état de droit. Et si la justice va condamner Matata, qu'il soit condamné et puni par ses actes qu'il avait commis, monsieur le journaliste. Nous ne devons pas protéger les gangs au pouvoir. Non, non. Ce n'est pas un simple à l'époque de Kabila où les gens se mettent ensemble. Nous voulons créer la bancarisation, vous détournez des millions de dollars. Nous devons créer le parc agro-industriel, vous détournez des millions de dollars. Et que moi, je m'en quoi mettre sous la dent. Or, si le projet Bukangalon Zotene comprenait qu'on pouvait changer quelque chose dans ce pays, monsieur le journaliste. Matata Ponyo, le sénateur, a toujours pris sa défense et qui montre noir sur blanc, qui n'a jamais détourné en tout cas. Selon lui, les fonds qui étaient alloués à tous ces projets-là. Et du coup, le pouvoir en place fait toujours, en tout cas, que Matata Ponyo réponde à toutes ces accusations et en voyant tout ce qui se passe, on voit qu'en tout cas, le pouvoir cherche à coincer Matata Ponyo. Selon toi, pourquoi? Matata n'est pas ennemi du pouvoir. Et d'ailleurs, je crois que Matata, c'est parmi les hommes intelligents de cette République. Et je crois qu'il serait même parmi les proches de Tshisekedi. C'est que Matata ne doit pas se victimiser en cherchant à se cacher derrière les poursuites judiciaires qu'il est poursuivi par le pouvoir, le pouvoir en place ne l'aime pas. Non, c'est pas ça le cas, monsieur le journaliste. Moi, je crois, aujourd'hui, vous devez accepter de répondre de vos actes. Moi, je le disais toujours à l'époque de Kabila, que tout ce que vous êtes en train de commettre aujourd'hui, je n'étais pas le prophète des malheurs, mais ça commence maintenant à se prophétiser. C'est qu'à l'époque, on avait les gens, ils se mettaient ensemble entre eux, ils pillaient cette république, ils bouffaient l'argent de cette république. Là, vous voulez parler de qui et qui, mais par exemple? Je parle de Kabila, le sénateur à vie, je parle de Matata Ponyo, je parle de Lukwebo, ils sont nombreux, même de Julien, ils sont nombreux. Et je crois on ne peut pas poursuivre tout le monde à la même... Les plusieurs sont toujours aux côtés du chef de l'État actuel. Qu'ils soient aux côtés du chef... mais Kamer était aux côtés du chef. Mais il vient d'où? Il vient de la prison. Et jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore fini. Il est libre. Non, la liberté provisoire ne signifie pas l'acquittement. Ne signifie pas l'acquittement. Nous les attendons tous comparaître à la barre. Et la justice, c'est l'unique maître de dire que Matata a détourné ou Matata n'a pas détourné. Si Matata se lève aujourd'hui et dit moi, je n'ai pas détourné, personne ne peut dire qu'il a volé, monsieur le journaliste. Même si on vous a tenu main dans le sac, vous ne pouvez pas accepter. C'est à la justice de prouver. Personne ne peut dire que j'ai volé. Non, Matata ne peut pas dire qu'il a volé. Mais nous attendons la justice maintenant dire Matata t'y a détourné comme ça. C'est ça l'état de droit. S'il est confiant en lui qui n'a rien fait, pourquoi là il perd maintenant? Pourquoi là il perd? Il doit assumer ses responsabilités. Il doit accepter de comparaître. Et nous allons voir la population congolaise. Si on se rend compte que Matata est poursuivi puisqu'il est prétendant candidat, mais on va décrier. Et si on se rend compte que, comme ça se voit aujourd'hui, on veut que Matata puisse répondre de ses actes, rien autre que ça. Pour certains Congolais, surtout les proches du sénateur Matata Ponyo, ce qui se passe actuellement, ce n'est que des acharnements politiques parce que Matata, on les voit parmi les gros poissons qui pèsent dans ce pays et qui veulent aussi briguer la magistrature. Est-ce que pensez-vous que ça, c'est vrai, c'est le toit? Quoi que nous soyons apolitiques, mais il n'y a rien d'acharnement politique. C'est que les politiciens dans mon pays, eux pensent que quand moi j'ai occupé tel ou tel autre poste, quand on va me poursuivre, on va dire qu'il y a acharnement politique. Non, nous ne sommes plus à ce stade. Vous devez assumer ce que vous avez commis. On ne peut pas appauvrir toute une population et que vos enfants sont en Europe, d'autres sont en Amérique, d'autres sont en Asie, et que nous, les lambda, nous sommes dans ces pays en train d'accroupir. Et demain, ce sont ces mêmes jeunes-là qui vont venir derrière vous. Il y a un acharnement politique. Il n'y a rien d'acharnement politique. Tous, nous voulons l'État. Moi, je fais les droits et je ne veux pas voir demain finir mes 5 ans à l'université et puis devenir sommaire au quartier, tout simplement, puisqu'il y a une mauvaise justice. Non, nous voulons plus, monsieur les journalistes, nous voulons voir des juges modèles dans ces pays qui vont nous inspirer d'exemple. Et nous attendons tout ce qui se passe dans ces pays. Il y a un nouveau vent qui souffle, monsieur les journalistes. Il y a un nouveau vent. Et nous allons voir comment est-ce que Matata va se défendre face aux juges. Et là, nous allons tirer exemple.
Mais les gens doivent savoir qu'il n'y a rien d'acharnement politique. On ne peut pas voler ses pieds, croiser les bras et penser que ça va finir comme ça jusqu'au jour où Jésus reviendra. Non, vous devez répondre. Les mal nous suivent derrière nos dos, de génération en génération, monsieur le journaliste. Plusieurs enquêtes démontrent que Matata Ponyon serait... Là, permettez-moi que je les mette au conditionnel, ce n'est pas à moi de les confirmer, mais si certaines personnes le disent, que Matata Ponyon serait l'un des meilleurs, d'ailleurs, premiers ministres que ce pays a connu. Pourquoi ne pas reconnaître quand même un doute du pain, ce que Matata Ponyon a fait pour ce pays? On ne refuse pas, monsieur le journaliste. Matata, je l'ai dit au début, c'est parmi les intelligents, le meilleur que l'RDC a connu. Il figure parmi les grands leaders de cette république. Mais à cause de votre statut, vous ne pouvez pas commettre du mal en croyant qu'on va vous laisser simplement puisque vous avez occupé des postes spéciaux dans ce pays, monsieur le journaliste. Nous sommes dans un état de droit, vous l'avez décrié, Matata, c'est parmi les scientifiques que j'aime dans cette république, ses analyses, ses pensées. Mais nous regrettons de voir la personne très intelligente comme ça qui soit tombée dans telles erreurs de détournement. Ce n'est pas moi de... Mais vous dites qu'il aurait détourné, mais jusque-là, la justice, voilà, elle n'arrive pas à démontrer ça. C'est ce que nous voulons. Et Matata Ponyon décrit à son innocence. Ce n'est pas à lui de prouver son innocence, monsieur le journaliste. C'est à la justice. Il faut laisser la justice bien faire son travail, cesser d'interférer. Tous les rapports qui ont été produits, on a eu qu'il y a eu des interférences. Ils avaient encore les millions qu'ils avaient volés. Ils cherchaient à corrompre d'ici et là, selon ce qui s'est dit. Mais nous attendons voir comment est-ce que la justice va se prononcer. Vous êtes scientifique et vous devez accepter. Vous avez dirigé le gouvernement. Vous devez accepter de la manière dont vous avez dirigé. Laissez d'autres diriger leur manière. Nous sommes là les arbitres. Nous ne faisons qu'assister. C'est que nous autres, nous sommes des assistants de la République, monsieur les journalistes. On assiste là où il y a du mot, on tourne, et là où il y a du bien, on félicite. Nous attendons voir la justice, si réellement la justice est indépendante, la justice va se prononcer sur l'affaire, et Matata, s'il sera jugé, il sera jugé, et il sera acquitté, s'il sera acquitté, il sera condamné, s'il sera condamné. Rien autre que ça. Cessez de vous victimiser, les amis. Cessez de vous victimiser. Ne croyez pas que ce que vous avez fait à l'époque, on va vous gâter toujours. À l'époque là. À l'époque, il était premier ministre. Ils ont commis beaucoup de mots, la bancarisation. Vous croyez que ça va se passer inutilement? Après la bancarisation, la création des comptes fictifs dans ce pays. À l'époque, il était premier ministre. Il y a le projet du parc agro-industriel, le Bukangalonzo. Vous pensez que ça va se passer inutilement comme ça, avec les gestions qu'ils avaient à l'époque? Non, ça ne va pas se passer comme ça. Et n'oubliez pas que ce projet, la bancarisation était gérée par ses propres mains. Le parc agro-industriel de Bukangalonzo était géré par ses propres mains. C'est que, attendons voir, accordons la chance à la justice, ayons confiance en notre justice, et nous allons voir. Si Matata est innocent, qu'il soit acquitté. Si Matata est responsable, il aurait commis des crimes économiques dans ce pays, mais qu'il soit poursuivi. Et d'ailleurs, nous avons la chance, puisque M. Lukwebo était ministre aussi à l'époque de son gouvernement. C'est qu'il y a des loups, monsieur les journalistes. Et tout le monde, ils savent. Peut-être, attendons voir, il y a risque que même Lukwebo soit invité comme témoin dans ce procès. C'est que nous, on peut prier Dieu que le procès soit fixé au tribunal, que les enquêtes puissent commencer. Et nous allons voir. Et que le procès soit même télévisé. Mais nous serons tous surpris des révélations que nous allons recevoir de ce procès, monsieur les journalistes. Pensez-vous que Lukwebo, la justice peut arriver à ce niveau-là d'inviter Lukwebo aussi comme témoin ou bien comme qu'il vienne par exemple comparaître dans ce dossier? Mais ni Léo... Avec son statut qu'il a aujourd'hui. Hein. Bien sûr, ni Léo décide la loi, même si vous ayez des privilèges de juridiction, mais il y a des juridictions où vous êtes justiciable, monsieur les journalistes. C'est que... Qu'elle soit Lukwebo, qu'elle soit Matata, il y a même des cas où Tshisekedi, n'est-ce pas qu'il est chef de l'État, mais il y a des conditions où le chef de l'État peut être aussi convoqué. C'est que, attendons voir. Pas dans ce pays quand même. Non, mon cher, je vous dis, il y a un nouveau vent qui souffle sur ce pays. Sous Tshisekedi. Exactement, sous Tshisekedi, bien sûr, mais ce n'est pas sous sa force seulement. C'est tout le monde, tous nous liguons ensemble pour voir est-ce qu'on peut changer ce pays. Nous nous sommes combattus des années et des années pour voir est-ce qu'on peut finir par aboutir à un changement dans ce pays. Mais lorsqu'il y a quelque chose de changement qui commence à se montrer, pourquoi ne pas applaudir, monsieur les journalistes? Monsieur Mou, Espoir Aspirine, vous semblez saluer en tout cas
Les avancées ou bien la justice congolaise, est-ce que vraiment le peuple congolais peut faire confiance à cette justice? Vous savez, ce qui cause qu'à ce que la justice ne change pas, c'est pourquoi, c'est parce que nous ne croyons pas à cette justice. Parce qu'on voit ce qui se passe dans cette même justice que vous saluez aujourd'hui. Hein? Moi, je viens fraîchement de la prison. Je n'ai pas 4 mois que j'ai été en prison. Tu sais qu'est-ce que c'est qu'elle dit? J'ai subi des atrocités. Tu sais qu'elle dit? C'est que vous avez violé des lois. Non, c'est pas violé des lois. C'est vrai, puisqu'on s'est exprimé. Vous avez fait quoi? Pourquoi? C'est puisqu'on s'est exprimé. C'est puisqu'on a demandé la paix. C'est puisqu'on a demandé la sécurité. C'est puisqu'on a décrié l'incompétence des maires de la ville. Tu t'es accusé de quoi? Alors, je me rappelle la fois dernière en 2000. C'était en 2020, le 18 décembre, quand nous avions été en prison. C'était tout simplement parce qu'on avait décrié l'incompétence des ministres à l'époque de l'intérieur provincial, monsieur. Ah, là, vous vouliez déstabiliser les pouvoirs, c'est et c'est punissable quand même. En fait, nous, en aucun jour où un mouvement citoyen peut déstabiliser un pouvoir, c'est tout simplement les orienter, puisque nous devons participer à la définition de la politique qui va conduire notre République. Et lorsqu'on se prononce, certains disent que non, on veut les déstabiliser. Mais nous avons un maire, à l'époque, on avait un maire de la ville, le maire militaire, le Moïse Nkessie, mais c'était un fainéant. Quoique aujourd'hui, même les militaires, rien ne va, mais tant mieux aujourd'hui qu'à son époque. Et quand on le dit, il y a des gens qui n'acceptent pas qu'on leur dise la vérité. Or, nous avions prêté serment devant nos ancêtres, devant Dieu, de ne dire rien que la vérité. Et quand on dit la vérité pour certains, c'est tout à fait un problème, c'est un conflit des générations. La question aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire confiance aujourd'hui à cette justice, et surtout qu'on veut voir en tout cas les chefs de l'État qui sait que dit tout arrangé dans ce pays? La confiance ne se négocie pas, la confiance s'inspire. Et aujourd'hui, la justice congolaise commence quand même à inspirer quelques confiances. Et nous voulons que cette confiance soit pénalisée, que cette confiance ne soit pas simplement momentanée ou bien temporaire. Nous voulons que la justice puisse poursuivre tous les malfrats. Et quand on va commencer à les poursuivre, quoi que leur statut, nous aurons toujours confiance et nous allons renouveler notre confiance. Moi, personnellement, je me sens heureux quand je vois qu'aujourd'hui, dans cette République, on peut mettre un ministre en prison, même s'il va fuir ou bien quoi. Je me sens heureux aujourd'hui. C'était la même chose avec les régimes passés, on l'a vu. Comme qui? C'était même un nom d'un seul ministre qui a été interpellé à l'époque de Kabila. Rappelez-vous bien. Personne qui a été un jour interpellé. C'est qu'ils avaient leur groupe de gangsters qui étaient au pouvoir et ils savaient comment est-ce qu'ils pouvaient détourner leur argent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas facile de voir un directeur de cabinet être convoqué par une simple convocation, invitation. Et après être arrêté ou puis relâché quelques jours après. Mon cher, ce n'est pas moindre, subir 2 ans. Déjà en prison, c'est pas moi, mais c'est les journalistes. Les Congolais, il s'agit du théâtre. Non, qu'elle soit du théâtre ou pas, c'est que ces magistrats-là qui ont fait des théâtres, aujourd'hui, ils ont pris peu de conscience. Mais à l'époque, les ministres de Kabila étaient des intouchables. Je me rappelle d'un ami qui a été assassiné à l'époque à Kinshasa. Il est venu de celui, j'oublie un peu son nom, en Belgique, simplement parce qu'il avait jeté les œufs sur le convoi de Kabila. Mais il a été assassiné. C'était une faute grave quand même. C'est une délégation présidentielle. Nous n'avons pas de dieu sur la planète Terre. C'était sa façon de s'exprimer et je ne crois pas qu'il ait fait tuer une personne. Non, il avait jeté tout simplement par mécontentement. Est-ce qu'il fallait le tuer? C'était un attentat. Même si ce soit l'attentat, est-ce qu'il fallait le tuer? Est-ce qu'il fallait l'assassiner? Mais aujourd'hui, je vois le ministre aussi passe nuit là où les activistes passent nuit. Mais c'est une bonne chose. Applaudissons quand même. Exactement, c'est sous lui. Mais je l'ai dit, ce n'est pas sous lui seul, c'est sous tout le monde. Tous on a pris conscience qu'il faut aider les pays. Aider ces pays, c'est avoir confiance à la justice. Mais aussi, moi, je peux appeler le chef de l'État, je peux profiter d'appeler le chef de l'État, qu'il puisse prendre soin de nos magistrats. Qu'on puisse bien payer nos magistrats, les agents de la justice. Mais ces magistrats sont aussi pointés du doigt d'être surtout beaucoup plus corrompus. Hein. Puisqu'ils sont mal payés. Imaginez-vous quelqu'un qui va juger un milliardaire et qui ne touche que 2000 dollars le mois. Mais c'est peu pour... C'est peu pour... Ils font des tâches nobles. C'est comme les enseignants, c'est comme les militaires. Les gens qui ne travaillent pas dans ces pays sont uniquement les députés. Ils ne voient absolument rien. Ils nous défendent à l'Assemblée. Où? Ils nous défendent où? Quand on leur donne des palissades uniquement, ils arrivent à Goma avec des belles dames, rien autre que ça. Mais nous... Mais ce sont des personnes qui plaident pour nous, la vie sociale que nous vivons. Depuis qu'ils sont à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait comme loi?
Est-ce qu'ils ont même déjà fait voter une loi qui protège la population congolaise ou bien qui est une loi à l'intérêt de la population ils congolaise? Ils ont proposé des lois comme Tchani, loi Daniel, ça comme ça aide les pays. Oh. La loi Daniel Mbao, ça vient faire quoi? Je suis affamé. Comment je vais nourrir une femme? Est-ce qu'ils pensent que favoriser le mariage précoce, c'est ça l'essentiel pour une génération montante? Mais voilà les gens de nos députés qu'on a toujours voté. La loi Noël Tiani, c'est une loi, bon exactement, il y a quelques avantages, mais plus part, il y a des avantages à cette loi. Aujourd'hui, le monde a changé, le monde émerge. Le monde émerge, monsieur les journalistes. C'est que nos députés ne peuvent pas se valoir. Nous travaillons, on donne des balissades, ils construisent des maisons. Bon, peut-être qu'il y a des avancées, puisque il y a certains qui n'avaient pas où vivre. Aujourd'hui, ils ont où vivre, bon, peut-être ça. Mais dire que si les sociales, ils ont travaillé, rien. Puisque jusqu'à maintenant, manque l'eau, jusqu'à maintenant, manque du courage, jusqu'à maintenant, manque un salaire décent. Jusqu'à maintenant, nos militaires. Mais ce n'est pas ces députés de nous apporter de l'eau. C'est dans les attributions quand même du gouvernement central. Voilà, nos députés, c'est que l'Assemblée nationale est le chef du budget. C'est eux qui guident le budget. Ils ont un devoir de contrôler. C'est parmi leurs missions. Contrôler et faire voter des lois, plaider pour la population. Voilà aussi leur qualité. Aujourd'hui, ils se traitent de voyous réellement. Ils prouvent qu'ils sont des voyous puisqu'ils ne songent pas sur nous, leurs patrons. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a, quoi que le banditisme au sein des présidents des institutions de l'État, notamment l'Assemblée nationale, quoi qu'il y a ces délinquances qui se voient aujourd'hui. Mais nous pensons, aux côtés de la justice, il y a des avancées. Et ces avancées, nous les saluons et nous les encourageons qu'ils puissent continuer ainsi, qu'ils puissent continuer à traquer tout le monde, toutes les personnes qui ont été impliquées à la ruine de ce pays, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Nous tendons vers la fin de cet entretien. Vous avez foi à cette justice de traquer toutes ces personnes-là et qui ont mis ce pays à genoux. Et nous avons foi également que sous Tshisekedi, ça sera concrétisé. J'espère que c'est la même foi que vous avez aussi. Excusez, ce n'est pas sous Tshisekedi seul, je l'ai dit, c'est sous tout le monde. Il est le guide. Exactement, un chef de l'État, c'est un guide. C'est lui qui est venu avec l'État des droits. Même oui. Si sous Kabila, vous ne voyez pas ça pendant que c'était réel. Alors nous voulons qu'il y ait l'État des droits qui Mouzé l'aura prôné. C'est que son fils, il est venu et donc il a poursuivi l'idée. Non, son fils y a enterré ce que son père avait comme vision. Mais ça, c'est trop. C'est pas trop, j'assume mes propos. Le fils Kabila avait enterré la vision du fils du Kabila père. Pendant que plusieurs Congolais ont salué sa gestion à la tête du pays. La gestion de qui? De Kabila pendant les 18 ans là qu'il a passé. Là, vous me rappelez mes confrères, concitoyens, mes compatriotes que j'ai perdus dans ce pays. Vous envoyez militaires au front sans munitions. Et dire que vous fûtes militaire. Vous envoyez militaires au front étant affamé. Vous envoyez militaires au front. Quand même, ça, vous ne pouvez pas exagérer. Si nos militaires étaient affamés, ils ne pouvaient pas mettre hors d'état de nuire à l'M23. On a vu comment. Donc cette rébellion, elle a été expulsée en quelques jours. Mais ton nom est FARDC. Mais messieurs les journalistes, tenu par le chef de l'État. Pensez-vous que c'est les FARDC, celles qui ont fait ça? Non, avec nous, la population. Oui, bien sûr, mais ce sont les militaires qui se battaient. C'est nous qui les amenons là au front. Leur gouvernement les avait laissés. Mais puisqu'on avait confiance à notre FARDC, comme on a confiance à notre justice, on amenait l'eau, monsieur le journaliste, on les encourageait. Et je me rappelle même, les jeunes contribuaient l'argent pour acheter quoi manger à nos militaires. À l'époque-là, tu avais fait quoi? Toi, en tant que jeune. Moi, j'ai contribué ce que je pouvais. Moi, je les encourageais. Et je me rappelle, moi, nous sommes partis, à l'époque, j'ai resté à Ndos. Nous sommes quittés de Ndos vers Kibati pour les amener l'eau dans les bidons. Voyez-vous, on a contribué aussi dans ce pays. Mais je vous dis, aujourd'hui, espérons, si les chefs de l'État touchent les secteurs sensibles dans ces pays et que rendre indépendante la justice correctement, réfléchir sur le social de l'homme congolais. Quand je parle de l'homme congolais, je parle de nos militaires, nos enseignants, nos médecins. Je vous dis que ce pays peut changer. Nous tendrons vers la fin pour finir avec cette interview exclusive que vous accordez à Congo Live. C'est quoi en un mot d'au moins d'une minute? Parce que le sujet principal, c'était de comprendre ce qui se passe aujourd'hui entre Matata Ponyo et son président du Sénat, bien sûr,
Batulukwe est bon modeste. En un mot, qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, je vais appeler au partisan de M. Matata Mponyo, l'homme intelligent qui figure parmi les intelligents de ce pays, de rester calme. Et j'appelle aussi Matata. Rester calme pendant que leur leader est en train d'être massacré par la justice congolaise. Si vous voyez quelqu'un qui crie, et c'est qu'il se reproche de quelque chose. Moi, j'appelle à Matata de ne pas perdre le temps d'ici et là, qu'il se prépare à affronter la justice. Et se prépare à la prison. Comparaître, ça ne veut pas dire être en prison. Être en prison ne veut pas dire être condamné. Être condamné ne veut pas dire mourir. Et on a vu dans ce monde les gens qui ont été condamnés à 43 ans, mais par après, la justice s'est rendue compte qu'ils s'étaient trompés, ils ont été relâchés. C'est que moi j'appelle à Matata de bien se préparer pour affronter la justice. J'appelle ses sympathisants de continuer toujours à croire à cette justice. Si Matata n'est pas réellement fautif, il sera relâché. Et s'il est réellement fautif, il sera condamné. Merci, monsieur Espoir, de nous avoir accordé voilà, cet entretien exclusif. Merci, monsieur le journaliste. Merci à tous les peuples congolais qui nous suivent à pareil moment. Voilà, nous arrivons à la fin de cette interview qu'on a eu avec ce jeune Congolais de Goma. Il s'appelle Espoir Mouinouka, c'est ça? Mouinouka, voilà, Aspirine. C'est un jeune militant du mouvement citoyen Lucha, RDC Afrique. Vous savez que la Lucha aussi, elle était devenue ce que vous connaissez aujourd'hui comme... connaissait le Congo, donc il y a des luttes là, comme je voulais le dire. C'est un jeune qui intervient souvent dans nos antennes, vous suivez souvent ses analyses, donc il n'est pas d'un parti politique comme certains peuvent le croire. Donc c'est un jeune militant des droits humains également. Donc merci en tout cas pour ces moments, d'avoir pris également ta disponibilité et venir intervenir encore à nos microphone. Merci, monsieur le journaliste. À la prochaine fois. Merci.